Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Company of Heroes 3. On se retrouve donc pour la suite de notre partie. Alors, ça fait bien une dizaine de jours que je n'ai pas joué, tourné. Le jeu a sorti pas mal de mises à jour depuis. Et du coup, quand j'ai voulu recharger ma sauvegarde, il m'a obligé à refaire la mission depuis le début. Donc, c'est pas un souci, hein, je l'ai recommencé en off. Et je reprends à peu près où j'en étais. Là, dans ma partie, je viens d'arriver à prendre ce point-là. Et je vais commencer à l'attaquer ce point-là, puisque du coup, je me fais bombarder par ce point d'artillerie ici. Et il va falloir d'ailleurs que je remonte, maintenant qu'on a progressé, mes mortiers là. Et là. Voilà, pour avoir une meilleure portée, pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, avancer par là. Et aller bombarder ce point qui me fait énormément de dégâts. En attendant, on va y aller à l'assaut. Et on est parti, on est aidé par les chars hein, qui nous font un boost sur nos troupes au passage. On en profite. Là, on va balancer de la grenade ici à gogo. Et là, on a une troupe qui se fait décimer. Faut vraiment que la mitraillette tombe. C'est bon, elle est tombée. Tout est tombé par ici. Alors, est-ce que de là on a la portée pour détruire l'artillerie? Ouais, ça se tente, hein. Ça se tente carrément. Et pour elle. La portée a l'air bien plus réduite. On va pouvoir avancer ici. Ok. Les troupes en retrait, non. On va pouvoir prendre un canon automoteur Bishop. Je vais le prendre. Hein. On a vraiment besoin de pouvoir bombarder à distance. Et là-bas. On va lui faire des dégâts. On va en profiter. Attention, il tire aussi. On va lui faire un barrage d'explosion aérienne. Ça va bien bien tuer tous ceux qui sont à côté. Et ceux qui l'utilisent du coup. Attention, celui-là a pu faire un peu mal. C'est parti. Ok, maintenant qu'on a le bishop, on va le mettre par ici. Celle-là n'est pas vraiment vétéran, hein. Dommage, j'aurais fait un. J'ai tiré par là. Ok, parfait. Là, on va pas pouvoir recruter plus parce qu'on va avoir un problème de. Si, on aurait pu quand même. Ok, donc là, on avait un blindé. Alors, on va faire un tir de fusée éclairante. Je me suis pas trompé. Ok, parfait. Donc, vous allez allumer là. Et toi, tu vas venir allumer par là. Lui va allumer par là aussi. Et on va aller les cueillir à la sortie. Move! Move!
Y aller à patte. Pas trop trop mal. On va avancer les deux chars par ici, s'ils veulent bien monter les escaliers. Ok, on est un peu en suspense là. Pour l'instant, let's go, on avance. On va commencer à tirer ici aussi avec le mortier. L'obusier aussi. Ok, on a pris cher ici. Là, je traque, on va le choper sur le côté. Ah oui, c'était un comme ça, oui, d'accord, effectivement, je comprends mieux. Le gros problème, c'est que j'ai perdu pas mal d'infanterie. Juste le temps qu'elle se refasse. Bon les gars, alors vous venez là, puis là, et là. Mais on va le descendre ici, on va le faire tourner et let's go. Lui va revenir par là, eux vont aller là, lui il tire ici, allez les gars, voilà, on les achève, parfait, et on attend par là. Arzan, quoi la fusée éclairante? On va tirer sur le bâtiment là-bas pour l'endommager à mort. Lui aussi. Hop. Lui aussi. Allez, tout le monde sur le bâtiment. Désolé pour l'église, hein. Ok, on y va. Faire avancer le tank. Prend un peu cher, hein, j'en suis bien conscient. Ok, vous pouvez partir. Oh, on a une unité qui était restée en derrière, ok.
Ok, ici c'est éliminé. Et ici c'est éliminé aussi. Alors on recule par contre, attention à la mitraillette là-bas. Allez, repli général. Et effectivement... on va là. Keep an eye out for enemy patrols, men. They'll be looking for us. Pardon. Voilà, c'est bon. Alors, pour se simplifier la vie, on va... toi, tu vas venir là. Vous allez venir là. Et lui, va venir là. Ready to receive objective. Malta crew stands ready. Ok. Ok, ça c'était fait. Golf track à côté. Ça va pas passer. Petit Panzer va pas passer. Par contre, attention, il y a du monde quand même. On va ramener tout le monde. Je sais pas si on a un zoom, je pourrais. Non. En dézoomant, pardon. Ce petit monde va venir là. Et vite. On est là. Et vite. Quant à eux, ils vont commencer à allumer dans ce secteur là. Bon, les chars font le taf. Hein. Alors, on va directement bombarder là-bas avec le grand. Avec le bishop. Et on n'a plus de place hein, de toute façon. Je n'ai pas de troupes qui sont restées en arrière. Non, non, tout le monde est là. Voilà, bim, ça, ça se nettoie. Hop, on va envoyer de la reconnaissance là-bas. Ok, on a un gros char qui est... okay. Oh, attends, ça va faire du dégât ça. Ouh là 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 là, oui. Oui, 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 recule, 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 recule. Soignez-le. Ça contre-attaque à mort. Vous avancez là, parce qu'il y a besoin de soutien d'infanterie. Voilà, lui il a pris tellement cher. Voilà, le soutien infanterie, ça va faire du bien. Ok, on va faire du barrage perforant ici. Moi, je suis pas pressé, hein, j'ai de quoi bombarder. Parfait, ok, là ils me l'ont réparé. Maintenant, réparez-moi lui. Est-ce qu'on peut pas juste foncer là pour tout détruire un petit peu? Voilà. On va un peu nettoyer là. Parfait ça. On a plus de planque possible comme ça. Parfait, voilà. Toi. Getting to work.
un petit fusée éclairante par là pour y voir un peu plus clair. Always eager to serve. I don't want to hear a fucking word. March. Attention quand même, parce que là, on a une mitrailleuse ici. Donc, s'il y a une mitrailleuse ici, toi, putain, détruis-moi ça. Pareil, et toi, tu me refais un bombardement là-dessus. Allez, les mortiers ou qui explosent comme ça là, que ça fait tellement de dégâts. Voilà, on n'a plus de mitraillettes. Eux, on les fait avancer tranquillement. Allez, faut que ça pète. Et voilà, ça tombe. Alors, un char ici. On va dire un char là. Le deuxième ici. Allez, on grenade-moi tous, grenadez-moi tout ça. Incoming paratroopers. Get going. Here we go. Attention, s'ils envoient des paras, ça va peut-être foutre le bordel ça. Non. On va commencer à ramener les mortiers par là. Par là. Eux, on va les envoyer prendre le point qui est là qu'on n'a pas pris. Ok, les voilà, les parachutistes. Clairement, ils vont pas faire le poids. Allez, bisous. Ok, là on a un petit bug parce que ça c'est un point rouge qu'on ne peut pas aller chercher. Voilà. Pour la suite. Ouais, ouais, bah on les laisse faire. Pour la suite, ça va être par là. Alors, une petite fusée éclairante pour voir où on en est. Ok, alors. Toi. Par là. Toi par là. Et toi, par ici. C'est bon. Coucou. Allez par là.
par là. On va prendre ça. Où vous avancez? On est dans ce point-là d'ailleurs. Est-ce qu'on peut... est-ce qu'ils ont rechargé le gros mortier? Alors, ici tout de suite. Attention à la mitrailleuse. Ah ouais, ils sont bien buggés, ouais. Bah allez, on va tirer dessus comme ça, hein. Le mortier qui a fait son taf. Vous pouvez me finir ce bâtiment. Non mais... ah, le petit bug quoi. Désolé, hein, je voudrais vraiment le finir. Tiens, hein, il s'accroche, hein. Voilà. Ok, bon bah c'est bon, ils vont se calmer comme ça. On va prendre le petit mortier qui est là. Dis-moi qui a commande par ici. Et le grand mortier qui a commande là-bas. Ensuite on prend lui. On allume par là. Ouf. Ah! Alors de quoi t'amuser par là. Voilà, ça va forcément bouger. Il n'y a plus qu'à les cueillir. Hop, on balance des grenades, ça va les faire courir. On regarde où on en est. Hop, on redemande un bombardement comme ça par ici. On va ensuite reprendre lui, qui va allumer par là, je sais plus quel bâtiment c'était, mais c'est pas grave. Et on avance.
prend le gros mortier, on avance, on envoie ici. Et on l'a fait fuir au cas où. Ah oui, mais les mecs ils passent. Ok, oui, ils passent à la fraîche quoi. Alors que nous on contourne ça tranquillement. D'ailleurs, en parlant de ça. Ah oui, j'ai pas fait les objectifs secondaires. Bah vous voyez, j'ai même pas fait gaffe, j'ai fait les objectifs principaux en passant par le côté. Bon bah. Allez, hein, c'est validé. C'est bien aussi. Effectivement, j'ai pas fait l'objectif bonus. Bon. Et bien pour la reprise, on s'arrêtera sur ce petit épisode. Voilà, je vais essayer d'en faire un deuxième du coup. Donc c'est pour ça, on va pas les faire trop longs. On va juste de revenir à l'écran de campagne. Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième petit tournage pour moi. Et puis vous retrouverez ça dans la semaine. Hop. On revient là, normalement Potenza est à nous. Voilà, on a réussi. Je laisse ça et je coupe. Anchor for our operations in the region. I think we've done enough here, Commander. We should keep moving. Non, on va renforcer. On va renforcer dans la région. Ça à sauvegarder. Maintenant que vous contrôlez un second point d'arrêtement, vous pouvez acheter des améliorations dans toutes les localités. Capturer d'autres ports pour augmenter votre limite de population, ainsi que des lieux marqués du code d'arrêtement pour augmenter votre limite de ressources. Et bah parfait. Et bah voilà. Bon, et bah je vous dis à très vite pour la suite. Merci de nous avoir suivis. A plus. Bye bye.